Non. On n'a pas le droit de parler, mais vous, vous allez me croire. Hein. Vous avez le droit de répondre. Bah, qu'on est prêt à dialoguer avec vous ici. Et là, on parle au nom de tout le monde qui sont à l'extérieur ou à l'intérieur. On aimerait bien parler avec vous. Est-ce qu'on peut échanger ensemble? C'est possible? Et je vous demande en toute gentillesse. Vous ne parlez pas aux petites gens de ce bail? On a des attentes. On est habitants de Saint-Lô, on a des attentes. C'est on aimerait qu'on nous dise, qu'on nous écoute. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, monsieur le maire. Monsieur, juste, s'il vous plaît, en dehors. Monsieur Baye, en dehors, monsieur Baye, s'il vous plaît, en dehors de toute étiquette politique, en dehors de tout ce que vous voulez, on aimerait bien dialoguer avec vous, échanger sur certaines choses que les habitants demandent. Là, à l'heure actuelle, on est présent, je suis en face de vous, est-ce que vous pouvez dialoguer avec nous? Je comprends pas, on est là, on est présent, je suis en face de vous. Il y a plein de gens à l'extérieur qui aimeraient prendre la parole avec vous. Malheureusement, peut-être leur ressenti, ils en ont marre. Donc ils l'expriment comme ça. Moi, je suis là devant vous pour dialoguer avec vous, qu'est-ce que vous faites? Vous n'essayez même pas de dialoguer avec moi? Les parkings payants, toutes sortes de choses. On est présent, on aimerait bien discuter avec vous, monsieur Baye. Et vous faites quoi? Vous buvez un verre? Vous appelez à la politesse? L'ignorance, c'est très bien. C'est ça, c'est une politesse. Bah, monsieur le maire de Caen avait raison, hein, sur certaines choses. Hein. Oui, oui. On peut dialoguer sur certaines choses par rapport à ça. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. Bah oui. Et les conseillers départementaux n'en pensent pas moins à certains, ne vous inquiétez pas. Et c'est malheureux. Que j'aimerais bien discuter avec vous là, face à face. Et là, je vous parle en toute hors toute étiquette politique. Je comprends pas. Monsieur Frigou, oui?